Et voilà, de retour sur Radio Gold FM. Lolo, tu peux remonter ton... Mon masque, pardon. Si tu veux. Hein, j'ai tendance à m'oublier. Oui, un peu rebelle sur les bords. Oui, j'ai vu que tu voulais un peu jouer les rebelles. Il y a des SM qui sont allumés, les gars. C'est incroyable quand même, vous êtes pas du tout discipliné comme dirait. Ouais, je crois qu'on devait mettre un sac juste à l'entrée, hein. Comme ça, ouais. Pas directement. Ah, c'est une bonne idée, c'est ça. Pas une mauvaise idée. Bah, tu peux me customiser un sac. Vas-y. Écoute, ça mettra à l'entrée. Tu voilà. Peux t'y mettre, hein. chacun son taf. Je suis animateur radio aujourd'hui. tu mets deux masques ensemble, tu vois. C'est une idée. Petite poche. Ah bah justement, toi qui es dans la customisation, tu penses quoi du masque là de... C'est lui qui a fait le masque. Bah, il fallait pas lui dire. Ah, pardon. Très subtil, hein, le gars. C'est ça. FK, je pense c'est... FK, il a tué. C'est beau, tu vois. Il a tué le truc. Mais c'est juste que. Dis-moi tout. Elles sont trop fines, les. Enfin, le lettrage et tout, je trouve, tu vois. Ah, bah, c'est ça fait exprès. Ça pourrait être mieux, tu vois. Tu pourrais mieux faire. En plus, le bling-bling dessus, là. C'est ça que moi, je kiffe, tu vois. Ouais. C'est ça qui attire, justement. Même pour rien, tu peux le payer. Parce qu'il y a le bling-bling. Après, tu dis, ah, putain, il m'a baisé. Moi, j'aime ça, tu vois. J'aime bien, le gars, de faire des affaires avec lui. On va faire des affaires ensemble. Donc, c'est dégueulasse, on est d'accord. Quel sale type. Moi qui t'aimais bien, FK, t'as vu comment t'es. Ça va, j'ai le coup. Il a dit qu'il n'a pas dit que c'était dégueulasse. Voilà, il a dit que voilà. Voilà. Quel lettrage était trop fin. Juste le lettrage. Mais c'est normal, c'est gratuit, c'est des cadeaux. Donc ils donnent des trucs. Pourri. Pour les gens qui payent, là, je fais un beau truc pour les gens qui payent pas. Là, c'était voilà. Les chutes. Tu vois, les types pas réussi. C'est la lettre qui traînait comme ça. C'est pas vendre ça, tu voilà. Vois. Voilà. Ça, d'ailleurs, je vends pas, je donne. Alors, monsieur Passy, présente-nous ton. Bah, ton associé qui est là, ou ton pote, je sais pas comment on peut dire, ton collaborateur ou... Ouais, justement, c'est un nouveau qui vient d'entrer justement dans mon écurie. Ok. Il s'appelle Manin, donc je vais lui passer la parole, comme ça il pourra mieux se présenter tout seul que okay. Je vais faire. Je suis pas son père quand même. Ah, bah, comme... Vas-y, présente-toi, ouais. Bah, vas-y, présente-toi, gamin. Vas-y, dis-nous tout. Bonjour à vous tous. Ouais, salut. Je m'appelle Manana. Manana. Mon prénom c'est Grady, ouais, mais tout le monde m'appelle Manana. Ok. C'est mon nom de famille en fait, je préfère qu'on m'appelle sur. Qu'on t'appelle Manana. Qu'on m'appelle Manana. Ok. Et j'ai une marque de vêtements avec mon équipe, c'est toute une équipe entière, je suis pas seul dedans. Mmh. Comme Passy vous l'a expliqué là tantôt. C'est, le nom c'est Broke is the New Rich. Broken? Broke is the New Rich. Ok. L'ancien pauvre sera le nouveau riche de demain en fait. C'est... Ok, d'accord. C'est inspiré okay. De Orange is the New Black. C'est vraiment, ouais, c'est okay. Je vous ai dit, chez nous, c'est de l'art. Hein. Ouais, hein. Quoi ça? C'est du copyright, surtout. Oh, deuxième vanne très bonne de la soirée. Moi, je vais plus venir ici. Parfois, tu viens. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu peux savoir que. Je sais pas, t'as vu ça? Vous l'avez chauffé, hein? T'as vu ça? En plus, c'est sur le garçon, j'ai donné cadeau, t'as vu ça? Trop d'inspiration! Mais non, j'ai le t-shirt, c'est bon, le gars, il fait des masques de merde et il t'a même fait clasher un corps. T'as avec ses faux bling-bling, l'a vu, hein? Oh là là! Moi qui l'adorais, t'as vu? Vas-y, recouvre-toi avec ton gilet. C'est la famille, c'est la famille. On peut se permettre. Non, je déconne. C'est pas vraiment inspiré de Orange is the New Black, mais. Il y a un petit truc là. Il y a un petit truc, ok. Il y a un petit truc là-dedans. Là, ok. Pour le reste, c'est... Et toi, ton style de parce que toi, tu crées vraiment, bon. Toi, t'es styliste, donc toi, tu fais des vêtements, tu crées des vêtements et Passy vient en consultant. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ok. Ça. Toi, ton style, c'est quoi? C'est plus afro ou alors c'est vraiment de tout ou c'est plus homme, c'est seulement femme? Tu fais aussi des accessoires, tu fais pas d'accessoires? Pour le moment, c'est juste pour les hommes. Mais okay. Comme Passy vous a expliqué, il y a la nouvelle collection qui va sortir. Okay. Là, vraiment, c'est un projet où on essaye de se baser sur les hommes comme sur les femmes aussi. Ok, d'accord. Et c'est un projet qui va arriver vraiment très bientôt. On travaille dessus avec Passy et toute l'équipe entière. Et maintenant, c'est quoi? Ça veut dire que c'est. Polo, t-shirt pour homme ou pantalon. Ouais, ça ou sera alors, plus, non, ça, on va partir pour dans les meufs ou alors c'est. On essaye en fait de partir dans une base, étant donné que dans la société, c'est plus la femme qui dépense de plus que l'homme. Effectivement. Donc ça veut dire que je me suis. En tout cas, dans la mode, oui. Ouais, dans la mode, c'est ce que moi je fais déjà. C'est pour ça que moi j'ai plus collaboration avec les femmes qu'avec les types. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc du coup, je me suis permis de voir mon frangin ici à côté, je l'ai proposé. Regarde ce qu'on va faire pour la prochaine collection. On va se mettre là, on va taffer dur pour la collection. Ta prochaine collection qui va sortir, ça sera plus que les femmes. Les gars, on va s'en foutre, ça sera que des t-shirts. Parce qu'on sait de toute façon que les gars,
Ouais, les gars, ils sont habillés vite fait, t-shirt, polo. Le gars, il préfère encore partir dépenser pour un faux Gucci que d'acheter le vrai. Ouais. Donc, ça veut dire que le gars, déjà, il est plus vieux que la femme. La femme peut prendre son argent que son mari a donné pour je sais pas quoi. Ou l'argent qu'elle a gagné. Pas forcément que son magasin. Là, je viens pour j'aide le côté féministe. Ouais, je vois, merci. T'as vu, je suis avec toi là. Et pourquoi pas se lancer dans l'unisex pour justement les hommes et les femmes? Ben parce que pas tout le monde veut faire des opérations. Ouais, c'est ça en fait. Le but, c'est pas toujours de vouloir courir. Tu veux prendre la parole? Non, tu fais. Le but, c'est vraiment toujours pas de courir en fait. C'est ce que moi j'essaie de partager, même à travers ce que je fais. Dans la vie, il faut prendre son temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, au fur et à mesure que tu prends ton temps, tu as des obstacles qui viennent durant ton chemin. Et c'est avec ces obstacles-là que tu commences à apprendre, tu as acquis des bonnes leçons de vie et tu continues ton chemin. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas toujours se mettre en tête que tu veux tout faire. Non, on ne peut pas tout faire. Ah, c'était pas question de tout faire. C'est parce que c'est vrai qu'en ce moment, nous les filles, on aime bien tout ce qui est un peu masculin, un peu large, un peu. Ouais, street white, ouais, je comprends. C'est voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je demandais, parce qu'il y en avait beaucoup qui se lançaient dans l'unisex en ce moment. Ah, ouais, dans ce sens-là. C'est vraiment dans ce sens-là. Ah, non, ok, ça va. Pas du tout, hein. C'était vraiment pas pour faciliter le travail. J'avais pas bien décompris. C'est parce qu'en ce moment, nous les filles, on aime bien, en fait, l'oversize. Ouais, l'oversize, ouais, justement. Voilà. Et comme ça ressemble fort à ce que, aux suites, en fait, des mecs. C'est ce que nous on fait, justement. Il y en a beaucoup qui se lancent dans l'unisex et du coup, c'est une idée que vous allez adopter à un moment donné ou vous allez vraiment rester sur la différence homme-femme à chaque fois? Non, on va vraiment prendre vraiment ce côté que vous venez de parler, de vraiment plus se localiser envers l'image de la femme. Et avec l'homme surtout, mais ça sera plus maintenant des accessoires maintenant sur la femme. Donc ça veut dire que si on en sort sur, on va dire, sur un colis, parfois, moi, ça m'arrive de faire le plus long colis que j'ai déjà fait tout seul de vêtements, c'est 100 vêtements. Oh, wow. Ouais, donc, ça veut dire que si on arrive déjà à 100 vêtements comme ça, il faut que sur les 100, 90, c'est que des articles femmes. Et d'accord. 10%, c'est gars. Mmh. Exactement, ouais. D'office. C'est comme ça, en fait, tu vois. Mmh. Et avec ça, ça va vite partir. Et lui, il dessine, donc tu dessines aussi les modèles ou pas du tout? Non, pour ça, j'ai un designer pour ça. C'est vraiment. Ok, et toi, t'amènes quoi, en fait, au business? Parce que les idées. Ok, d'accord. Les idées de concept, les idées de tenue. Les idées de tenue, l'argent, tout. En fait, c'est, je suis l'un des fondateurs de. Ok, d'accord, ouais, d'accord. Et là, je mets un pull. Ouais, ça, c'est un pull de ma marque. Qu'on a aussi. Que vous avez aussi fait? Ouais. Ok. On a aussi fait il n'y a pas longtemps. Et bien devant le micro, s'il te plaît. Ah ouais. Désolé. Là, je mets un pull qu'on a aussi fait il n'y a pas longtemps. Mais pour le moment, tout est out of stock. J'espère dans 2 mois, on va reprendre et puis. On va essayer de continuer à de relancer quoi. Ouais, de relancer. L'information okay, la bon. Plus importante, c'est que c'est lui qui a l'argent. Ouais, c'est que je... Il faut rester ami avec ce gars. C'est pour ça que moi je taffe avec lui. C'est pour ça qu'il s'est mis là. Je reconnais le Camerounais qui est en toi. J'ai l'argent. Moi, je reconnais le footballeur. Ah, il y a de l'argent. Ok. L'argent, d'accord. On est des bons amis, toi. Je t'adore. D'ailleurs, on a faim. Je vais commander, c'est Islam d'emporter. Tu vois, un mec avec une doudoune, c'est lui qui paye. Direct, c'est lui qui douille. Non, mais ok, mais non, mais c'est cool, c'est chill. Franchement, c'est super, en tout cas, de voir que la collaboration se fait. Et que le truc avance tout doucement et qu'il y a des tenues qui sont sorties. En tout cas, moi, par rapport au t-shirt, moi, c'est un t-shirt que je kiffe. Donc, le jour où je le mettrai, ben, il va aussi. Me taguer dessus et vous taguer. Enfin, merci. Pas si, en tout cas, parce que voilà, j'ai vous devez tous les mettre. Hein. Moi, t'inquiète. Moi, c'est tout toi aussi. Hein. Promis, je le mettre. Voilà, c'est avec moi, comme j'en ai deux, moi, je peux mettre. Toi, t'as la deux, ouais, c'est ça. Je t'ai tagué deux fois. Et du coup, vous pouvez se taguer aussi lui, ouais. Ouais, pas de soucis. On va prendre les réseaux. On va prendre les Insta et tout ça d'office. Parce que moi, j'aime toujours travailler en équipe. J'aime pas tout prendre pour moi. Ça, si je me. Enfin, j'ai pété du quai comme ça. Ok. D'office, pas de souci. Bah écoutez, moi en tout cas, la mélange équipe, je passe les pubs et on revient directement après parce que j'ai un petit jeu. Donc, comme voilà, il y a justement deux designers qui sont là dans la mode. Bah, on va faire un petit quiz haute couture. Ah ouais. Ok. Donc, on va voir si maintenant vous êtes balèze ou pas. Voilà. D'accord. Ok. Après, on doit envoyer du lourd. Hein. Vous devez envoyer du lourd hein, parce que sinon vous allez passer pour des mauvais devant tout le monde et ça va pas le faire quoi. A tout de suite.